sa séparation d'avec Brecht en 1931. Weil a eu évidemment de graves problèmes en restant en Allemagne. À la première de Mahagoni, Hitler était déjà au pouvoir. Il y avait des troupes des nazis dans la salle qui ont dérangé violemment le spectacle. Et alors, quelques 12 mois plus tard, il prend le train de Berlin à Paris. Entraîne la sainte quotidienne où la pauvre âme humaine cherchant partout l'oubli a pour quitter la terre su trouver le bien.